Please help me welcome Anya Wieden-Guerra. Après deux grandes stars et spécialistes, je suis un peu intimidée mais très heureuse d'être là et j'aimerais effectivement vous témoigner d'une lutte, mais d'une lutte en interne, pas d'une lutte du point de vue d'une ONG ou d'un militant, mais d'une lutte quand même et peut-être terminée à la fin avec un appel. Que signifie la transparence en matière de droit politique ? Littéralement, la transparence signifie laisser passer la lumière. Quand j'entends laisser passer la lumière, à chaque fois me vient à l'esprit la parole d'Audiard qui disait « Bienheureux les fêlés, car ils laisseront passer la lumière ». Et je crois que dans la salle, on est beaucoup, peut-être un peu fêlés et en tout cas férus de transparence. On peut définir aussi la transparence comme quelque chose d'ouvert, qui ne cache pas certaines activités, qui ne dissimule rien. Et dans ce domaine-là, effectivement, la transparence est extrêmement importante pour les droits politiques, puisque la condition sine qua non pour qu'un vote, pour qu'une élection puisse avoir lieu, c'est que les citoyens aient confiance. Sinon, on peut avoir des guerres civiles, on peut avoir des élections qui sont repoussées dans le temps. On l'a vu il n'y a pas si longtemps à Haïti, il y a des pays, beaucoup de pays malheureusement, où des problèmes sont en lien avec justement ce manque de confiance. Et aujourd'hui, confiance, ce n'est pas parce que quelqu'un est un élu de Dieu, la confiance ne tombe pas du ciel, mais elle nécessite absolument et de manière indispensable de la transparence. Donc en tant que chancelière d'État, Anaïs l'a dit, je suis effectivement responsable, entre autres, pour l'organisation des élections et des votations, et aussi responsable de la qualité des résultats. On a la chance en Suisse d'avoir une confiance des citoyens en les autorités qui est très forte, mais c'est quelque chose qui peut se perdre, c'est quelque chose qui doit se gagner. Chaque jour, on doit faire ses preuves. Donc la confiance est indispensable pour un vote serein, et c'est la confiance en beaucoup d'éléments. C'est la confiance d'abord en les candidats. Si un citoyen n'a pas confiance en les candidats, il ne va pas voter pour eux. C'est la confiance justement dans les autorités qui organisent les élections ou les votations, mais c'est aussi la confiance dans les processus et, en bout de chaîne, la confiance dans les outils qui sont utilisés pour le vote et pour les élections. Concrètement, pour travailler, pour gagner et mériter cette confiance à Genève, nous avons d'abord le contrôle citoyen. Chaque citoyen qui, le dimanche, se rend dans le local de vote à Genève peut s'annoncer sur le moment, pas à l'avance, sur le moment, dire « voilà, moi je veux rester, je veux assister au dépouillement des bulletins de vote du local de vote où il est ». C'est quelque chose de très simple, mais cette possibilité-là existe. Maintenant, il se trouve qu'il n'y a plus que 5%, je ne sais pas combien dans la salle, mais il n'y a plus que 5%, parfois même moins, de personnes qui se lèvent effectivement dimanche matin et vont dans le local de vote. La plupart envoient leur bulletin par la poste ou utilisent le vote électronique. Donc là, il faut imaginer d'autres façons de pouvoir donner cet accès, d'avoir une transparence totale pour le citoyen. Ce que nous faisons pour ça, c'est que tous les dimanches de votation, nous organisons un atelier citoyen à Genève. On peut avoir 25 personnes, c'est pour ça qu'on ne fait pas énormément de publicité, mais on le fait un petit peu. Et les personnes peuvent venir voir l'envers du décor, du dépouillement, on leur explique tous les processus, on peut leur montrer les différentes choses. Mais avec le vote électronique, donc ça c'est un peu ce qui couvre la partie vote postal. Le vote électronique, on doit aller beaucoup plus loin, parce que c'est moins immédiatement perceptible et il y a beaucoup plus de craintes qui peuvent s'y référer. Donc c'est la raison pour laquelle, effectivement, à Genève, on tente l'aventure de l'open source. C'est vraiment une aventure et c'est pas quelque chose, c'est pour ça que je vous parlais de lutte, c'est pas quelque chose qui va de soi, en tout cas pas dans une administration publique. Ça commence par une guérilla et c'est vraiment une lutte de tous les jours. Pour nous, l'open source permettra, on va commencer à la fin de cette année, mais c'est un processus qui ne se fait pas du jour au lendemain, mais permettra à une communauté de participer activement et concrètement au développement de cet outil démocratique. Et de cette façon-là, cette participation, elle est en quelque sorte une participation politique, puisque justement ces communautés, ces personnes vont s'engager pour notre démocratie.
L'open source, on part, comme dans beaucoup de démarches de transparence, on part de « on ne croit que ce qu'on voit ». On veut offrir la possibilité justement à tous les citoyens, voire au-delà, puisqu'on sera open source, ça peut être des citoyens de n'importe quel pays dans le monde à terme, de pouvoir découvrir le cœur de notre machine, le cœur du système, de regarder les différents rouages, de pouvoir participer très concrètement à la co-création de son fonctionnement. Donc pas de black box ou des choses qui seraient cachées, mais l'objectif c'est vraiment la transparence, la participation large de la société civile, et là aussi on n'aimerait pas seulement impliquer quelques geeks, quelques informaticiens, mais on veut, et c'est en ça que je vous lancerai un appel à la fin, mais on aimerait vraiment pouvoir vulgariser davantage, au-delà du cercle de cette salle, ce que ça signifie l'open source et pourquoi est-ce que c'est si important que ça. Très concrètement, ce que nous avons fait jusqu'à maintenant, je vous disais, on est en chemin. On a commencé à la fin de l'année dernière avec deux ateliers d'une journée chacun, où nous avons réuni des hackers, et quelques hackers de très haut niveau, des universitaires, des collaborateurs du CERN, un philosophe spécialisé dans la relation entre le citoyen et l'État, quelques journalistes, des politologues, des juristes, des personnes vraiment extrêmement larges. Et pendant deux fois une journée, on a travaillé avec eux pour savoir qu'est-ce que ça signifie un vote ou des élections transparentes, au-delà du vote électronique. On n'a pas commencé avec le vote électronique, mais vraiment dire, bon voilà, qu'est-ce qui est important en matière de transparence, qu'est-ce qu'il faut concrètement pour rendre la confiance aux citoyens, pour répondre à leurs attentes. On a utilisé des méthodes de design thinking, on était aidé par Patrick Genoux qui est dans la salle et que vous aurez le plaisir cet après-midi de voir dans le GovTrack, si j'ai bien retenu. Et on a vraiment réussi à faire émerger des questionnements, non seulement techniques, mais aussi des questions sociologiques et des questions même éthiques. Ce qui est ressorti pour l'instant, parce que de nouveau c'était le début d'un processus, mais très concrètement déjà, ça nous a aidé à déterminer quel genre de licence nous voudrons pour l'open source. Est-ce que c'est simplement un partage, une transparence? Est-ce que les gens pourront utiliser ce qu'on a développé en contrepartie d'un paiement, ou est-ce que c'est une ouverture totale et libre? Malheureusement, la décision n'est pas encore confirmée, donc je ne peux pas vous la dire, mais je peux vous dire qu'on essaie d'aller le plus lent possible. Si on fait open source, on ne va pas le faire à moitié, mais on va y aller vraiment, même si ça fait peur à certains. Un deuxième élément aussi très concret, moins étonnant peut-être, c'était au niveau de l'ergonomie. L'atelier nous a aidé d'améliorer l'ergonomie grâce à des spécialistes et de pouvoir améliorer ainsi l'expérience de nos clients, de nos citoyens qui utilisent la plateforme de vote électronique. Pourquoi est-ce qu'on s'est lancé dans cette lutte? Parce que c'est vraiment une lutte, que ce soit dans les instances politiques, que ce soit au Parlement, que ce soit même auprès des différents collaborateurs, où on rencontre souvent plutôt une peur. C'est vrai qu'open source, pour des non-initiés, ça peut être contre-intuitif, qu'une ouverture puisse signifier sécurité, c'est pas quelque chose d'intuitif. On aura intuitivement l'impression, un système, si on veut le protéger, on va l'enfermer derrière des firewalls, derrière des portes blindées, et plus il sera caché, plus il sera sûr. Alors qu'en réalité, je pense que c'est pas à vous que je dois l'expliquer, c'est plutôt le contraire qui est juste. Donc peut-être, pourquoi est-ce qu'on s'est lancé un petit retour en arrière? Le vote électronique à Genève a été créé tout au début des années 2000. Il a été tout de suite développé in-house par les collaborateurs de l'État de Genève, et encore aujourd'hui, c'est l'État de Genève qui crée, qui développe et qui gère le système. Pourquoi est-ce que ça a été fait à l'époque? C'était bien avant qu'on parlait de la NSA et puis de ce genre de préoccupations. À l'époque, c'était surtout une question économique. L'État de Genève ne voulait pas dépendre d'une société privée, ne voulait pas devoir subir des chantages au moment du renouvellement d'un contrat. On est dépendant, on ne peut pas changer, puis on va devoir accepter des augmentations de contrat. Et aussi, je crois, on ne voulait pas que les droits politiques soient dans une logique de marché.
Ça nous paraît encore aujourd'hui insupportable de se dire on fait de l'argent, ou d'autres font de l'argent, c'est encore pire, avec le vote, donc avec au moment où le citoyen, le contribuable, se détermine sur le futur d'un canton ou de son pays. Ça nous paraît être quelque chose, un acte citoyen qui ne devrait pas être... qui ne devrait pas être monétarisé et ne devrait pas subir d'éventuelles distorsions économiques. Deuxième élément, en tout cas aujourd'hui, pourquoi est-ce qu'on l'a fait en in-house ? C'est parce que le vote, l'élection, c'est la colonne vertébrale de notre démocratie, de notre société, et c'est un domaine sensible. Raison pour laquelle le vote électronique, tout comme à Genève, en partie la santé et quasi exclusivement le domaine fiscal, sont développés en interne. C'est des domaines où nous ne souhaitons pas que des entreprises privées ou des entreprises étrangères soient à l'origine du système. On aime le maîtriser de bout en bout pour savoir ce qui est dedans, donc le créer et ensuite aussi le gérer. Donc ça, c'était un petit peu les débuts des années 2000. En 2010, on est allé plus loin sur le chemin de la transparence, mais c'est vraiment un chemin. D'une part, on a créé une commission électorale centrale qui surveille tout le processus. Elle surveille les machines qui scannent les bulletins le dimanche. Elle va, avant chaque votation, elle va contrôler la commission externe, ces machines, si les machines sont bien réglées, n'auraient pas tout à coup une distorsion. Ils surveillent tout ce qui est vote électronique. Ils peuvent intervenir comme bon leur semble, à n'importe quel moment, et on n'a pas de pouvoir sur eux. Et on a vraiment là instauré un dialogue constructif de transparence. Je peux vraiment vous le dire, et c'est des moments lors d'un dépouillement centralisé, donc ça c'est les élections, où nous sommes, à Genève tout est centralisé, nous sommes jusqu'à 1800 personnes qui travaillons, lors des grosses élections, ça dure 36 heures, donc jour et nuit, c'est des moments extrêmement stressants, où on gère 200 000 bulletins, c'est vraiment un processus industriel, et vous imaginez bien, dans un tel processus, il y a toujours quelque part quelque chose qui marche comme on ne l'avait pas prévu. Lors des dernières élections, comme à Genève, on fait tout un peu, le Geneva Finish, tout un tout petit peu plus compliqué qu'ailleurs, on fait un dépouillement d'emblée deux fois, on déploie deux fois, ensuite on vérifie quels sont les bulletins qui ont été dépouillés différemment la première fois et la deuxième fois, donc c'est l'ordinateur qui nous le dit, c'est des groupes de deux qui saisissent, première fois, un autre groupe de deux saisit une deuxième fois, ensuite on dépouille une troisième fois et enfin un quatrième contrôle. Donc vous voyez un peu la complexité, et la dernière fois il y a un bulletin qui est disparu. Alors voilà. On les numérote et un bulletin qui a été dépouillé une première fois, on ne le retrouve pas la deuxième fois. C'est, pour les équipes, pour nous, c'est très compliqué. Bah justement, on a tellement préparé, tellement bossé, tout est tellement parfait. Il y a ce petit bulletin qui manque. Mais voilà, dans des situations comme ça, si vous avez une commission électorale qui travaille avec vous depuis 6 ans maintenant, qui connaît le système, comment ça marche, on peut justement, à cette commission, non seulement dans l'ancien système, on cachait les erreurs, on essayait de faire disparaître un bulletin ou autre chose, et là, au contraire, on ouvre grand les vannes. On dit, ben voilà ce qui s'est passé, il a été dépouillé une première fois, de toute façon, on n'est pas obligé de faire un deuxième dépouillement, donc il n'y avait pas de problème légal, mais ça nous permet vraiment d'avoir une entité qui crée de la sécurité par cette transparence, parce qu'on peut ouvrir les choses, parce qu'on a créé dans la durée ce dialogue de transparence. Dans cette commission, d'ailleurs aussi, nous avions eu pendant plusieurs années Alexis Roussel, l'ancien président du Parti Pirate, qui était membre de cette commission jusqu'à ce qu'il quitte le canton. Et de ce fait-là, il ne pouvait plus être dans cette commission. Donc ça, un premier élément très simple, des personnes qui accompagnent un processus et qui représentent la société civile. Le deuxième élément, c'était en 2010, on a commencé à donner accès au code source. Mais c'est sur demande, sur décision du Conseil d'État, un accès peut être donné. Jusqu'à maintenant, en 6 ans, 2 entités ont fait valoir ce droit. C'était d'une part justement le Parti Pirate, et la deuxième structure, c'était la BFH, la Berner Fachhochschule, qui a fait aussi un audit de notre code. Là aussi, pour nous, l'expérience est 100% positive. Si quelqu'un regarde notre code, ça ne peut que nous être bénéfique. Alors bien sûr, s'il trouve quelque chose qui ne serait pas top ou pas très joli, c'est pas agréable, c'est comme si j'avais une tache sur mon chemisier, mais c'est quand même quelque chose qui rajoute à la sécurité si d'autres ont vu et
peuvent nous aider à améliorer le système. Le système sera meilleur après, même si ben, peut-être il y a une tâche quelque part et la fierté ou la vanité voudrait que d'autres ne sachent pas s'il y a une tâche quelque part. Donc voilà un petit peu l'historique. Aujourd'hui, on veut aller plus loin, beaucoup plus loin. On veut vraiment non seulement donner un accès sur demande, il faut être physiquement à Genève, mais on va aller open source, on veut partager notre système, on veut co-créer avec toute personne qui serait intéressée par cet outil, et on veut que la communauté ou les personnes intéressées puissent s'approprier cet outil démocratique. Il est le nôtre. Il est à nous tous et pas à quelqu'un, ni à une entreprise privée, mais pas non plus à l'État de Genève. C'est aussi la conviction, justement, qu'aucun système est inviolable. On peut l'enfermer, le rendre aussi perfectionniste, aussi sophistiqué qu'on veut. Il y a toujours un risque, à un moment donné, que quelqu'un puisse pénétrer dans le système et changer quelque chose. Et de ce fait-là, il me paraît beaucoup plus intelligent de nous concentrer sur la motivation de ceux qui voudraient, d'un hacker qui voudrait attaquer un système. Plus vous dites à un hacker que le système est inviolable et parfait, plus vous allez titiller son instinct de jeu pour pouvoir vous prouver qu'à un moment donné, il va réussir à rentrer dedans. Donc nous, on souhaite faire le contraire. On pense qu'il est bon, on travaille dessus. Le Grand Conseil va voter le 1er septembre un crédit de plus de 5 millions pour le rendre encore meilleur, pas seulement le vote électronique aussi le back office, mais quand même, on veut être au meilleur standard possible, la vérifiabilité universelle, la vérifiabilité totale, mais à côté de ça, on n'a pas la prétention de penser qu'on est infaillible et on souhaite collaborer avec d'autres. Si d'autres ont des meilleures idées, on est très content de pouvoir collaborer avec eux. Pour pouvoir le faire, pour pouvoir aller en direction de l'open source, on a dû changer la loi, puisque la loi Cantolin ne nous permettait pas de le faire. Donc on a justement dû affronter le Parlement, devoir leur expliquer, et les réactions immédiates étaient vraiment négatives, étaient la peur, non mais ça va être dangereux, les hackers vont plus facilement pouvoir hacker le système. Donc, mais c'était aussi justement l'occasion là de faire un travail pédagogique et leur expliquer pourquoi est-ce que la transparence dans ce domaine est si importante. On a eu du succès, on a eu une unanimité du Grand Conseil, commission et plénière, ce qui à Genève n'est juste jamais le cas. Le seul autre exemple que je connais en à peu près 10 ans, c'était sur l'intégration des personnes handicapées, où effectivement c'était difficile d'être contre, mais c'était une grande satisfaction d'avoir pu vulgariser là, à ce petit niveau, la question. Surtout que le vote, justement, est un domaine très sensible et les pouvoirs publics sont quand même plutôt frileux dans ce domaine-là. Et pourtant, de mon point de vue, justement, l'open source est, et c'est pour ça que je vous ai fait un petit peu l'historique tout à l'heure, est en quelque sorte dans l'ADN de ce système. Parce que dès le début, on voulait une transparence la plus large possible et on voulait qu'il soit loin des mécanismes commerciaux que nous connaissons. Pourquoi est-ce qu'on se bat, vous vous demandez peut-être pourquoi est-ce qu'on se bat autant, pourquoi est-ce qu'on investit autant. Imaginez peut-être 2 minutes si on était dans un pays très très lointain, le vote électronique est offert à tous, par contre il est 100% aux mains d'une entreprise privée, étrangère de surcroît. C'est une espèce de black box, seuls les employés de cette société peuvent accéder au code, peuvent accéder aux résultats. La même chose avec le vote papier, c'est une entreprise étrangère qui dépouille le papier. Si vous avez un problème, vous devez vous battre avec le Service Level Agreement pour que les collaborateurs qui sont entre-temps sur un autre projet dans un autre pays viennent vous voir. Vous voyez un petit peu la dystopie, vous voyez un petit peu le système qui nous ferait peur à nous tous et qui ne nous paraît pas acceptable, raison pour laquelle on se bat, même si ce n'est pas facile d'avancer en direction de l'open source. Je pense qu'on n'a pas le choix, je pense que seul un système de vote électronique en open source peut être suffisamment sûr pour pouvoir confier la démocratie à ce système-là.
Mais pour pouvoir réaliser l'open source, on ne peut pas le faire seul. On a fait la partie juridique, on a changé la loi, on a maintenant la possibilité de le faire, mais on a besoin d'une communauté, on a besoin d'une communauté informatique pour pouvoir avancer, on a besoin de citoyens, on a besoin de vous. Tout système informatique, ce n'est pas à vous que je dois l'expliquer, c'est plutôt vous qui pourrez m'expliquer, est composé de briques de logiciels, comme des Legos en quelque sorte. Chaque Lego est en général fermé en lui-même et puis on lui fait confiance. On sait qu'en imbriquant ces Lego les uns sur les autres, on va obtenir le résultat auquel on aspire. Mais la confiance, en quelque sorte, nous permet de regarder ce qu'il y a dans le Lego. Donc ça serait, si on reste dans le Lego, ça serait comment est-ce que le Lego a été fabriqué ? Est-ce qu'il y a des substances dedans qui peuvent être dangereuses si les enfants le mettent dans la bouche ? Et c'est effectivement ce regard que nous souhaitons avoir, nous souhaitons aller plus loin avec l'open source. On veut, en publiant le code, on veut montrer que CHVOTE, notre système de vote électronique, est robuste, transparent et fiable, que les résultats électoraux reflètent réellement l'opinion des citoyens, qu'il n'y a pas eu d'altération entre le moment où ils se sont exprimés et au moment où nous avons comptabilisé les voix. Et c'est évident qu'une donnée n'est pas quelque chose de naturel. Une donnée électorale ou autre est quelque chose de construit. Et de ce fait-là, le processus de fabrication de ces données est tout aussi important que la donnée en elle-même. En quelque sorte, la traçabilité, comme on dirait dans le domaine de l'alimentation ou dans d'autres. Donc on veut très clairement faire deux choses. Ouvrir la boîte noire pour que chacun puisse vérifier la boîte, le contenu, ses rouages, si effectivement elle répond aux exigences de transparence, de fiabilité et de robustesse. Et deuxième élément aussi, ce que nous souhaitons, on souhaiterait bénéficier de l'expertise et de la bonne volonté d'une communauté qui pourrait effectivement nous aider à réaliser un bien commun numérique. Donc qu'est-ce que c'est un bien commun numérique ? Le bien commun a été théorisé pour la première fois par Elinor Ostrom, que certains d'entre vous connaissent peut-être. C'était la seule, première et pour l'instant seule femme qui a jamais gagné le prix Nobel d'économie en 2009. Elle est malheureusement décédée depuis en 2011. Mais j'ai eu la chance de rencontrer son fils spirituel ou son disciple qui a repris un petit peu le flambeau, Marco Janssen, qui est un Hollandais qui est depuis de nombreuses années aux États-Unis à Phoenix et qui va peut-être venir l'année prochaine en Suisse pour une conférence. Et Elinor Ostrom a défini donc que le bien commun est un bassin de ressources communes susceptible de faire l'objet d'une gestion collective par les usages et un partage. Donc le bien commun numérique est vraiment l'incarnation de ce que Elin Ostrom a défini comme un bien commun. Internet a été dès le début construit comme un nouveau bien public, puisque c'est construit, ses auteurs l'ont construit en réseau, en défendant justement l'ouverture, l'expansion à tous et la neutralité, élément extrêmement important aussi. Les logiciels libres et des encyclopédies comme Wikipédia ont effectivement aussi renforcé encore cet élément-là, où on est face à une communauté mondiale qui construit collectivement des ressources partageables et ouvertes et qui fixe des règles internes et des manières de faire respecter ces règles-là. Donc si on applique maintenant ces théories des biens communs sur le vote électronique, on se retrouve avec des biens privés, donc là c'est fermeture du système, mise en place de multiples protections, droits d'auteur, propriété privée. Et donc là on a des systèmes de vote électronique vendus par des entreprises privées. On a le bien public, donc le système CHVOTE Genevois est un bien public, il était construit par une collectivité publique, au début non accessible jusqu'à 2010, depuis 2010 accessible mais sous conditions, avec des complications,
Et on a finalement le bien commun, qui est un système qui est développé par une collectivité, qui est à disposition sans restriction d'usage à la communauté. Et c'est clairement dans cette stratégie-là que Genève se dirige. Donc on va passer d'un bien public à un bien commun qui ne sera plus propriété exclusive de l'État de Genève. Donc ça signifie qu'on ne pourrait plus non plus le vendre, par exemple. Donc ça a des conséquences, ce genre de choix. Ce n'est pas juste fun, c'est vraiment des décisions qu'il faut arracher, mais dont je suis convaincue par le bien fondé. Donc un bien numérique, justement, se distingue tant par le bien privé que par du bien public, par sa non-exclusivité. Et le bien commun sont en quelque sorte des façons de gérer une ressource de manière originale. C'est quelque chose qui sera certainement utilisé dans d'autres domaines, dans le futur, mais c'est aussi, et c'est peut-être paradoxal, ou c'est peut-être... c'est aussi quelque chose qui nous vient du passé. Justement, Elin Nostrum, dont je vous ai parlé tout à l'heure, a fait des recherches aussi en Suisse, en Valais, dans l'Haut-Valais. Elle a analysé les consortages à Törbel, c'est un tout petit village au-dessus de Viège, où effectivement, dans beaucoup de villages, en tout cas du Haut-Valais, je connais moins bien le Bas-Valais, les consortages, la gestion commune des ressources, de l'eau, bien sûr, pas seulement l'eau pour les champs, mais aussi même l'eau potable dans certaines communes, la forêt, l'alpage, sont gérés comme un bien commun, c'est-à-dire une collectivité les gère, fait les travaux qui sont nécessaires pour le faire, et le partage. Par exemple, des champs, il y a des champs qui sont très bons, il y en a d'autres qui sont moins bons, par un turnus très sophistiqué, ils arrivent à maximiser l'allocation des ressources pour la collectivité, sans que ça soit géré par une collectivité et que les citoyens puissent se décharger en quelque sorte dessus. Donc vous avez vu, je crois, Genève va loin dans la transparence. On va mettre à disposition la machine, c'est-à-dire le code source de CHVote. Donc là, on est dans l'open source. On met aussi à disposition, bien sûr, déjà, les résultats du processus, les résultats des votations et élections, sous forme lisible par la machine, ça va de soi, pour que les journalistes ou d'autres personnes intéressées puissent traiter en toute indépendance ces résultats-là. Mais cette conception transparente et ouverte des droits politiques va pas forcément de soi, et cette conception, tout comme justement le bien numérique commun, le bien commun numérique ou les common comme disent les anglophones, doit être défendue. Ces tendances et ce souhait de transparence rejoint en tout cas clairement ce que nous avons ressorti des deux ateliers que nous avons fait avec un échantillon aussi de la société civile. C'est aussi ce que nous faisons justement tous les dimanches de votation et d'élection avec les citoyens, d'essayer d'ouvrir l'hôtel de ville, d'ouvrir nos processus, tout ce que nous faisons à maximum de personnes. Mais on connaît aussi justement en Suisse des processus très tangibles. Beaucoup de gens, par exemple, idéalisent la Landsgemeinde, le fait de voter tous ensemble. Alors ça a effectivement le mérite d'une discussion commune et de transparence totale. Par contre, le secret de vote est quand même un élément important dans notre démocratie directe en Suisse. N'est pas du tout garanti, n'est pas du tout présent dans une Landsgemeinde. Donc dans cette optique-là, pour nous, open source doit nous permettre à la fois de garantir une transparence optimale, totale, et à la fois de garantir le secret du vote de nos citoyens. Je savais, en acceptant l'invitation de Hannes, qu'en venant dans cette salle, je ne serais pas forcément en face d'un public conquis pour le vote électronique. Je suis conscient que peut-être certains d'entre vous ont des réticences de point de vue de sécurité ou autre. De mon point de vue, ou de là où je suis dans ma fonction, je pense que la question aujourd'hui, ce n'est pas tellement est-ce qu'il faut du vote électronique ou pas, parce que je pense qu'il va venir, et inévitablement. Par contre, ce que moi je me pose comme question, et pour la raison pour laquelle je me bats, c'est pour quel genre de vote électronique. Est-ce qu'on veut un vote électronique opaque ou transparent? Est-ce qu'on veut un vote électronique fermé ou au contraire ouvert? Et ça, je crois que c'est l'enjeu aujourd'hui.
On a peu de personnes, ça j'ai beaucoup vu ces dernières 12 mois, il y a très peu de personnes qui comprennent les enjeux de l'open source, il y a très peu de personnes qui comprennent les enjeux de l'open data, même du numérique. Et c'est très très difficile de le faire comprendre. Beaucoup de gens, à partir du moment où ça marche, moi ça me va, ce qu'il y a derrière, ça ne m'intéresse pas. Ce qui complique sensiblement le débat en matière de vote électronique, parce qu'on ne peut pas se contenter de quelque chose de superficiel, parce que les enjeux derrière sont extrêmement importants pour notre société. Donc pour sensibiliser le public, les décideurs, et pour ensuite agir, une fois qu'on aura, justement à la fin de cette année, on devrait commencer l'open source, on a vraiment besoin d'une communauté, on a besoin d'être des personnes autour de nous qui nous aident à vulgariser cette thématique. Vous l'avez senti, je ne viens pas de la technique, même si j'ai travaillé chez IBM il y a une quinzaine d'années, mais je m'engage effectivement avec conviction de faire avancer la transparence et l'open source et l'open data, parce que selon moi, c'est la seule garantie de pouvoir avoir une décision démocratique qui fasse sens et qui soit responsable du point de vue de la sécurité. L'open source va devenir le modèle en matière de droit politique, selon moi, en tout cas en Suisse, je ne peux pas parler pour le reste, mais pour ça, j'ai besoin de vous, j'ai besoin de que tous ceux qui partagent cette approche puissent nous aider à élargir le cercle, non pas des initiés, mais le cercle de ceux qui comprennent et qui peuvent porter la parole. Nous pouvons collaborer, nous pouvons co-créer pour expliquer ces enjeux-là. Et vous l'avez compris peut-être un petit peu entre les lignes, pour moi c'est en quelque sorte aussi un cheval de Troie. Si on arrive à ce que l'open source devienne le modèle en matière de droit politique, il n'y a plus aucun domaine, plus aucune relation État-citoyen qui peut nous résister. Si on peut le faire pour un domaine aussi sensible que le vote électronique, on pourra le faire partout et je pense que ça fera avancer très largement la cause open data et open source. Merci beaucoup pour votre attention et pour votre soutien pour mieux faire connaître ces sujets-là au-delà des cercles d'initiés. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Anya. En effet, on a reçu plein de questions sur Twitter, mais donc je ne vais poser qu'une. C'était vraiment la question de cette vérifiabilité universelle. Ça semble être quelque chose de très complexe. Est-ce que vous pouvez l'expliquer tout brièvement? Alors effectivement, on a aujourd'hui déjà, depuis le 8 mars l'année dernière, on a la vérifiabilité individuelle. Ça signifie que quelqu'un qui vote, jusqu'à maintenant et dans tout système de e-banking ou n'importe lequel, l'endroit faible est toujours l'ordinateur personnel de la personne. Parce que nous, on peut avoir un système, on peut protéger un système, on peut protéger les interfaces, mais ce qui se passe sur un ordinateur personnel, est-ce qu'il est infecté par un virus ou autre, on n'a pas d'impact là-dessus. Donc la vérifiabilité individuelle est très simple, c'est que nous donnons aux différents citoyens des codes. Donc, lors d'une votation, il y a un code pour le oui, un code pour le non et un code pour voter blanc. Et ensuite, quand la personne vote, elle reçoit un retour du système, elle peut comparer ce code avec le code qu'il a. Donc, il peut vérifier est-ce que le vote tel qu'il l'a envoyé a bien été reçu de la bonne manière par le système. Est-ce que le oui n'a pas, sur le chemin entre son ordinateur et ses H-votes, était transformé en non. Donc ça, c'est la vérifiabilité individuelle. La vérifiabilité universelle ne change pas vraiment pour le citoyen. Pour lui, ça reste identique. Par contre, ça nous permet, c'est des formules mathématiques et des serveurs, c'est ça qui est surtout cher avec la vérifiabilité universelle, qui nous permettent ensuite, à tout moment, de pouvoir avoir une traçabilité exacte de chaque opération. Donc on peut, en quelque sorte, non seulement le faire sur le moment, comme peut le faire le citoyen qui vote, mais derrière, il y a vraiment une possibilité d'avoir une visibilité des calculs mathématiques qui se rajoutent. Donc ça, c'est ce qu'on est en train de construire maintenant et qu'on aura en 2018. OK, merci beaucoup.
Je me réjouis de voir ce genre de processus qui, vraiment, j'imagine, prend beaucoup, beaucoup d'énergie pour l'open source et j'imagine aussi pour l'open data dans une manière plus générale. Nager contre le courant, c'est toujours plus fatigant que d'aller tranquillement avec le courant. Ben voilà. Alors, je vous souhaite plein d'énergie pour ça et merci beaucoup d'avoir présenté vos idées ici. Merci beaucoup.